Bonjour et bienvenue sur Test Cars. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la dernière BMW 320D Touring. Sous le capot de cette BMW 320D Touring se cache un moteur de 2 litres délivrant 184 chevaux et qui consomme à peu près 6,5 litres au 100 km. Petit détail sympa, en appuyant sur le bouton du coffre de la télécommande quelques secondes, ce dernier s'ouvre automatiquement. Et pour le refermer, vous avez soit un bouton qui se trouve ici, donc vous appuyez, ça se referme automatiquement. Donc là, je rappuie sur la télécommande. Ou encore plus simple, vous maintenez le même bouton, sur la télécommande toujours, voilà, et ce dernier se referme automatiquement. Sur cette finition moderne, vous retrouvez le détecteur automatique des phares, qui plus est sont au xénon, des pneus run flat montés sur jantes 18 pouces, ou encore un système de rail de toit. Au volant de cette 320D Touring, on est très bien installé, c'est confortable. Un volant sport avec un excellent maintien. Que demander de plus ? Volant sport multifonction, radar avant et arrière, clim électronique, régulateur de vitesse avec fonction de freinage, ou encore système de navigation professionnel avec haut-parleur Hi-Fi, font partie des équipements de cette 320D Touring, affichée dans cette configuration à 50 000 euros. Quant à la boîte de vitesse, c'est une boîte 7, appelée aussi Septronic. C'est vraiment un régal et c'est bien entendu très appréciable, surtout dans les bouchons. A noter qu'avec cette boîte, on peut également passer les vitesses manuellement. Enfin, entre guillemets. À l'arrière, c'est comme à l'avant. On a de la place et on est bien installé. Plutôt que de vous parler de volume de chargement utile avec des litres et des litres, j'ai préféré vous montrer qu'il y avait vraiment beaucoup de place dans le coffre de cette 320D Touring. Et c'est bien là tout son avantage. A noter, vous pouvez trouver des séries 320D Touring à partir de 30 000 euros chez Arnold Cons au Luxembourg. J'espère que le test de cette BMW 320D Touring vous a plu. Vous pouvez retrouver les photos ainsi que la critique écrite sur www.test-cars.com. A bientôt !